Bon. Moteur. Clap. Ok. On essaye, hein. Oui, oui. Hein. Sur le VTT, t'es obligé de tourner les jambes pour l'avancer. Ah ouais, mais le Vélociraptor, t'as pas besoin de tourner les jambes, t'en fous. Quand tu vas faire une virée en pique-nique, on va faire des pique-niques entre potes, on part en VTT dans la campagne, ok. Tu le fais en Vélociraptor. Mais ouais, c'est tes potes le pique-nique. En plus, un Vélociraptor, tu en achètes un, tu vois. Pour peu, tu dois en acheter un pour ta copine. Et qu'est-ce que ça fait, un Vélociraptor et une Vélociraptor? Ça fait quoi? Ça fait des Vélociraptors. Ça fait des Vélociraptors, mon gars. Donc tu ouais, vois, au fur et à mesure, t'as un Vélociraptor, il est crevé, il est vieux. Pouf, tu le dégages, hein, d'accord, tu l'enterres dans ton jardin ou tu le jettes dans les toilettes, je sais pas. Et en fin de compte, hop, t'as le petit Vélociraptor que tu redresses, etc., etc. Ah ouais, mais donc ça veut dire qu'il faut en acheter deux. Parce que si tu prends qu'un seul oui, Vélociraptor et qu'il a pas de femelle, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que s'il est un peu en chien, il va venir t'enculer la nuit. En plus, un Vélociraptor, il faut l'accessoiriser, un truc de ouf. C'est-à-dire, un VTT, t'as déjà la selle, t'as le guidon, t'as tout ce qu'il faut, t'as le gling-gling. Un Vélociraptor, c'est quoi l'avertisseur sonore? Tu lui mets un doigt dans le cul pour qu'il crie? Un Vélociraptor, ça trace, donc il te faut sûrement une ceinture de sécurité, un truc pour te retenir le dos, il faut des rétros. Parce que si tu traces sur le périph', parce que j'imagine que tu peux prendre le périph' avec un Vélociraptor. Non, non, bah, c'est comme le VTT, tu peux pas, non, c'est trop risqué. Je pense pas, hein. C'est un vélo quand même à la base, hein. Ouais. Si Raptor, mais c'est un vélo. Tu peux tuner un vélo, bah tu pourras tuner ton Vélociraptor, si tu veux lui mettre une casquette, si tu veux lui mettre un truc, tu pourras faire un truc stylé. Alors qu'un vélo, tu peux pas lui mettre une casquette déjà. On est en ville, il y a une certaine hygiène à respecter. Tu traces en Vélociraptor, tu le fais monter, je sais pas, à 60. Bah le bousin, au bout d'un moment, il doit faire sa crotte. Donc qu'est-ce que tu fais du coup? T'as pris un peu d'avance, le truc il s'arrête pour chier. Tu fais quoi? Un chien, tu prends un sac plastique, tu mets dans la poubelle. Là tu fais quoi? Tu prends un seau, t'as une brouette avec toi, tu dois mettre un sac à dos pour mettre la merde de ton Vélociraptor qui doit faire 50 km. Tu fais comment? T'as une remorque, il tracte une remorque pleine de merde au fur et à mesure. Tu l'éduques. C'est au début, oui, ça va être un peu galère, il faudra des gros sacs ou des petits sacs. Tu prendras un gros sac, tu prendras les sacs Carrefour, tu vois, tu prendras les trucs Alinéa, c'est encore mieux. Ils sont tout grands, énormes. Tu ouais, pourras... Ikea, les gros sacs Ikea. Voilà, ou Ikea. Et puis après, ça va se démocratiser. Donc les gens, ils vont se dire, bon, bah ok, il faut mettre des poubelles à Raptor, tu vois. Il y aura des grosses cuves où tu pourras chier, des toilettes pour Raptor, ou genre tous les 50 mètres comme les McDo, tu vois. Et les mecs, ça arrivera et tu pourras faire chier ton Raptor à l'aise, tu vois, dans un endroit. Ouais, donc il faut adapter tout l'environnement urbain pour le trou du cul de ton Raptor. Quand même, on m'enlèvera pas de l'idée que le Vélociraptor, c'est un truc un peu de bourgeois, un truc de niche, alors que le vélo, tu vois, c'est en accès libre. On a les Vélib à Paris, les Vélove à Lyon. Voilà, c'est un truc que tout à chacun peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'on va faire avec les Vélociraptors? On va les mettre en libre service, des Vélove Siraptor, des Vélociraptors. Tu veux dire, un Vélociraptor, c'est un animal sauvage. Faut pas oublier ce truc-là quand même. Donc tu mets un Vélociraptor comme ça, avec la queue plantée dans une borne, tu vois. Ouais. Tu dois appuyer ta carte pour que la queue se libère. Le truc, il te dit merci et il te bouffe direct dans la foulée. Et bah voilà. Donc tu pourras pas le faire, ça. C'est personne vrai. a jamais été mangé par un Vélib. Non, mais je suis sûr qu'il y a des morts. Je suis sûr qu'il y a des morts quand même. Jamais par dévoration. Ton truc, c'est l'escalade, parce que quand ils vont vouloir faire des transports en commun, ils vont faire quoi? Sur Triceratops, sur Brachiosaur, il y aurait les Brachiosaurs plein de périphes. Je suis désolé quand même, le patrimoine français, il est quand même vachement plus basé autour du vélo que du Vélociraptor. Tu vois, Charles Trenet à bicyclette, il chante pas à Vélociraptor. C'est Charles Trenet? Non, c'est Yves Montand. Yves Montand, il chantait à bicyclette, pas à Vélociraptor. Yves Montand, il a chanté à bicyclette parce que lui, Yves Montand, il a pas connu Jurassic Park et il sait pas que les Vélociraptors vont arriver. Mais je pense que si à ce moment-là, il avait eu dans sa tête l'idée qu'un jour il pourrait y avoir des Vélociraptors, il t'aurait jeté ta bicyclette, mon gars, mais en deux, brac, brac. Et il aurait chanté à Vélociraptor. French Ball, abonnez-vous! Ah putain, terrain bombé! Pas de panique, Hercule est là! Il va sauver la Terre! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est Goku et Cell, ça. Ils sont en train de se foutre sur la gueule et ils se déplacent tellement vite. Moi, je veux prendre mes vacances en terre des milieux pour pouvoir à la fois mener le trek sympa dans la comté, tu vois. Si je veux me faire une belle balade de cheval, je vais en rond.